Frères et sœurs. Bonjour. Bienvenue ce matin. Amen. Ce matin, on arrive directement au texte. Laisse-moi prier pour papa. Papa, dans le nom de Jésus. Rends-toi grâce, Seigneur, nous remercions. Oh, bénis ton saint nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci ce matin de venir de nous le privilège, Seigneur, pour être unis ensemble, Seigneur. Pour venir devant le trône de la grâce, Seigneur, pour recevoir une parole de toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, prépare-nous les cœurs, Dieu Saint, pour recevoir cette parole. Une parole, Seigneur, ta parole change la vie. Une parole qui va montrer le monde. Un ancien qui vient, qui vient connaître la parole 10 ans, 15 ans, peut-être plus. Je connais qui qualité difficile, qui des souffrances nous passer. Pour nous capables de marcher avec le Seigneur. Que qualité de difficulté, mais c'est moi, jamais ne pas dénigrer le nom du Seigneur. Nous faire tout afin que le nom du Seigneur ne pas blasphémer sur ses bases, pas blasphémer dans le public. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Nous représentons le Christ sur terre. Nous sommes ambassadeurs du royaume des dieux. Mais est-ce que dans la réalité, nous sommes. Est-ce que dans la réalité, nous vraiment cet enfant de lumière dans ce monde de ténèbres? Est-ce qu'il vraiment nous attire à craindre? Ben, du monde qui est dans l'ouanté, ben, du monde qui est dans le découragement, ben, du monde qui peut passer par nos difficultés. Est-ce qu'il nous aide lumière dans la vie de ces personnes-là? Est-ce qu'il nous comme ça? Ce matin, laisse ta parole interpelle-nous ce matin. Est-ce que dans la réalité, mon vraiment est lumière? Est-ce que dans la réalité, mon vraiment est enfant de Dieu? Est-ce que dans la réalité, la bouche, c'est la bouche de Jésus-Christ qui parle? Quand Jésus-Christ causait, il relâche une parole. C'est signe et prodige et miracle accompli afin que la manifestation de la gloire de Dieu, c'est mon guetté. Dieu est Dieu saint. Dieu est Dieu saint. Il est Dieu amour. Et quand nous bouquons la sanctification, je peux trouver que Dieu, à cause de son nom, il est saint. Il peut vous accouper. Séparés. Nous, les enfants qui vivent finissent séparés. Jeunes, ce matin, on vous pose une question, ma jeune. Comment on connaît un chrétien? Comment on connaît un film vraiment comme Jésus-Christ? Ce mot maintenant là, ou pas directement dans le ciel. Est-ce que vous sûr et certain Jésus-Christ venu à ce terre-là ou pour être accepté devant le trône de la grâce? Nous tous nous sauvons par la grâce, non par les œuvres. Jeanne. Vous connaissez nous, nous worship team, nous chantons bien, oui non. Nous chantons très très bien, nous devons applaudir nous worship team ce matin. Oui. Merci, ça, ce matin. Et ce matin, j'aime au worship team. Dieu a une parole pour vous ce matin. Il va juste prendre la guitare gratter.
prendre la guitare, gratter. On les rime à nous. Qu'il a mis fini pointe de basse au carreau. Ou qu'on peut venir gratter. La nuit finit pointe un long basouka. Jeune, dans Wash. Est-ce qu'il y a le plus profond désir de le cœur, c'est d'être pur? Est-ce qu'il y a aussi que vous pouvez faire tout qui chose pour être pur? Pendant une semaine, vous pouvez faire ce que vous êtes content. Ou la vie ou libre. Ou vie immense. L'église. Vous appelez ça chrétien. Mardi, mon patron. Mercredi, mon patron. Jeudi, vendredi, mon patron. Vie immense. Après, vous allez. Qui vous fait, qui vous pas fait, vous ne pas connaître. Mais ça, ce n'est pas du christianisme. Et ce matin, on raconte la sanctification de message. C'est ça, ce matin, qui nous met l'emphase sur la sanctification. Avant qu'il m'envoie dans vos textes, on remercie encore que la vie éternelle est gratuite, sa frère et soeur. L'entrée à l'église est gratuite. Le pardon du Christ est gratuite. L'amour de Dieu est gratuit. Le souffle, la vie est gratuite. Mais, si regardez que vous payez là-bas, la prostitution, vous payez là-bas, l'alcool, vous payez là-bas. L'entrée dans boîte disco, boîte des nuits, payez là-bas. Le pouvoir du monde, payez là-bas. Ou payez au casse, pas le mot. Chrétien, hein? Ou pas au casse, pas le mot. Là, on dit ou là. T'as l'air ou dans le casino, soit dans le champ de danse. Chrétien, ça. Maman, on connaît qui on peut dire. On connaît qui on peut dire ce matin, frère et soeur. On connaît qui on peut dire ce matin. On va comprendre dans mon texte. On peut dire sans pour le mot introduction. Jeune. Avant moyen, vous venez, vous avez fini, vous finissez, tout ce qui vous finit. Cancer. Mais là, on dit, pasteur, mariez-moi. Pasteur, venez, mariez-moi. Pasteur, c'est toujours derrière du monde qui les connaît. Je fais toujours d'affaires. Chrétien, ça. C'est ça la vie, la, c'est ça la vie du christianisme. Non. N'est pas ça. Alors, qu'est la parole de Dieu qui dit à ce matin? La loi, le Moïse, quand il tombait, il finit écrire dans une tablette. Il dit commandement. Mais ce matin, le bouquet, c'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. Et on peut trouver qui Dieu peut attendre de nous dans ce Nouveau Testament là, d'aujourd'hui. Qui Dieu peut attendre de nous. Ce matin, à nous guette sur la parole de Dieu qui dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 22 au 33. Vous avez une parole de Dieu qui dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 22 jusqu'au 33. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur,
le bien-être. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel dont je serai sanctifié par vous sous le ciel. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Très sûr, depuis 2 semaines, vous me préparez. Vous priez le Seigneur sur ce thème à Josie qui m'a payé à personne. C'est la sanctification du croyant. Que chaque croyant doit sanctifier. La parole de Dieu dit aussi dans 1 Corinthiens 1:30, oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Frères et sœurs, le jour que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, le jour que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous faites la confession, vous acceptez le Seigneur comme le maître de votre vie, vous repentiez, le Seigneur dans sa grâce, dans son amour, il pardonne-nous. Ou être justifié, mais n'a aucune barrière en tout avec Dieu, grâce au travail de Jésus-Christ qui fait faire la croix, quand il fait mourir la croix pour nous. Ça, c'est la justification, ou être justifié devant Dieu. Mais vous ne pouvez pas nous faire la confusion entre justification et sanctification. Sanctification, c'est autre chose. Et là, beaucoup croyants, wow. Qui aime pas, on accepte le Seigneur, on demande la vie du Seigneur, ok, correct, on peut gagner le salut. Non! Il n'est pas ça du tout. Le jour que vous acceptez le Seigneur, il est bon pour la grâce, pas par où, Jésus dit comme ça, c'est moi qui vais choisir seul, pas autre qui vais choisir. Et la parole dit aussi dans Jérémie, avant même que vous êtes conçu dans votre maman, là, Dieu est un plan pour vous. Pour chacun de nous. Dieu est un plan. En d'autres mots, un chef d'œuvre de Dieu. Donc, frères et sœurs, le jour qu'ils ont accepté le Seigneur, c'est un travail de Dieu. Comme déclare, Dieu déclare nous, non pas. Amen. Romains 8, 1 qui dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur et le Maître de notre vie, tous nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Et la parole de Dieu dit dans Corinthiens 5, 17, vous êtes devenus une nouvelle créature et toutes les choses anciennes sont passées. Amen. Veut dire, nous sommes capables d'y bout différents entiers. Face à face, nous sommes accusés. Mais est-ce que la vie chrétienne est terminée là? Non. Justification, c'est le point de départ pour la sanctification. Sanctification, c'est un processus continuel pour un croyant. Et que ça lui poursuive complètement jusqu'au le dernier jour de sa vie. Ou jusqu'à la résurrection du Seigneur. Donc, justification, c'est une autre petite chose. Sanctification, c'est autre chose. Sanctification, c'est un processus. Les chaque petite chose.
pour l'idée, mais par la grâce de Dieu. Je me demande un exemple. Souvent, moi, avec le pasteur Alain, quand il prépare son ban manger, ou carotte, autre lit, il prend son cadet, il met son carotte là, et tout le temps, on guérit bien parce qu'il voit qu'on va faire vite, allez. Coupez. Il coupe son balcon de midi, il coupe sur la maison, il coupe, il sépare. Coupez, il met un côté. Coupez, il met des guides, il fait. Tout le temps, on guérit parce qu'on ne peut pas qu'un coup. Vite, pour moi, allez. Dieu me fait pareil. Le jour que vous acceptez le Seigneur, Dieu vient mettre nous à part. Ce qui veut partir à l'heure, il coupe Dieu qui coupe nous du monde, il met nous à part. Couper, séparer, ça d'abord. Dans la main, c'est ça d'abord. Donc le processus de la sanctification commence le jour qui nous vient, donne-nous la vie au Seigneur. Donc, il y a beaucoup qui sortent dans la vie, beaucoup péchés, depuis de ce monde qui est encore dans nos pensées, qui est encore dans la vie, par l'habitude, par le mauvais qui sort, qui nous sort. Mais Dieu, au moment que nous acceptons le Seigneur, nous le corps vit le temple du Saint-Esprit. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu vient assis dans le corps, le Saint-Esprit dit à nous, ça pas bon, l'autre pas bon, il dirige nous en pensée et en action, comment pour vivre nous la vie de christianisme. Donc frères et sœurs, vous venez ce dimanche, ou allez, après vous répondre le dimanche, ça c'est pas du christianisme ça. Le christianisme c'est tout le temps vous dire, Josué, chapitre 1, verset 8, méditez sur la parole de Dieu jour et nuit. Le matin, vous levez la prière, vous méditez sur la parole de Dieu, ou allez dans la journée, c'est là que vous la vie vous changez. Parce que si vous venez dimanche, après vous ne pas trop, vous ne pas venir à prier, vous ne pas être en cellule, vous ne pas avoir aucun contact avec vos pasteurs, vous ne pas connaître. Mais la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, pas qu'on n'a aucun levé, malgré que vous venez de nous la vie au Seigneur. C'est mort. Esaïe 55, 11 dit, enfants, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Nous nous méconnaissons. Prédicateur t'es causé, pasteur t'es causé, ben l'ancien t'es causé, ou pas écouter même. Dieu se plante. La façon qu'il lit nous travaille, parce qu'il y a un Dieu d'amour. Il compte en haut. Il vous fait tout pour racheter tout. Depuis dans la main de l'ennemi, c'est pour cela qu'il vient envoyer son fils de la croix à Dieu d'amour. Là. Il y a un Dieu sauveur. Il vous fait tout. Mais ce plan, son manière qu'il peut agir en haut. Fais attention. Maman, comme je dis, il y en a un pasteur. On rappelle le témoignage de Sonny Soubramani par contre le frère, le pasteur de Agadou, il est là, quand il connectait en Sud-Afrique à l'époque. Ben, il s'est dit pareil, il s'est têtu. Il était têtu. Tout bon ancien cause au lit, pasteur cause au lit, prier, non. Il y en a casse. Il fait ça qu'il est content. Il me dit un accident, le temps roulé, il a dans la rivière. Un dimoulmo, il est sauvé, il est dans l'hôpital, il est repenti, donc sur la maison, dit qu'est-ce que ça fait. Mais au moins, frère et soeur, qui vous attendez ça dans la vie, il est temps ce matin que vous prenez une décision dans la vie, qui vous les faire, qui vous pas les faire. Il est temps ce matin que oui, on les marche avec le Seigneur, ou bien on ne les marche avec le Seigneur. Il est temps que vous dire Seigneur, vraiment de tout cœur, mon immense à toi. Et dans ma question, Seigneur, qui ne vont pas mettre à chanter dans mon avis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, pour chanter dans ma question, le Seigneur pour aider. Amen. Mon dis à Dieu, mon petit peu fumé, mon parti qui m'a arrêté fumé. Mon voulu, mon désir, mon connaître ça pas bon. Mon papa est capable. Quand mon papa est capable, mon a devant Dieu, mon dit Seigneur, mon papa est capable. Quand moi, je ne suis pas capable, Dieu est capable. Amen. Parce que tout ce qui est impossible à l'homme, il est possible à Dieu. Frère et soeur, c'est ce matin, c'est ça Jésus-là qui m'a fait mettre devant eux. Je ne suis pas connu une situation ce matin.
Mon parcours est donc dans qui trouble au regard. Quand nous faisons sanctification ce matin, c'est sa sanctification. C'est sa l'eau, c'est sa traite de l'eau pure. Que Dieu lui dit, et lui pour lave nous. Justification, c'est ou accepter le Seigneur en externe. Mais sans le processus de sanctification se fait à l'intérieur de nous. Le processus de sanctification, pureté, il se fait à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce que la sanctification en fait? La sanctification, en deux mots, c'est pur. Une pensée pure. Pure. Holy. Sainteté. Dans 2 Corinthiens 7, 1. Apôtre Paul, quand il adresse l'église de Corinthe, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte des dieux. Ou bien dans la crainte des dieux, frères et sœurs. Ou bien dans la crainte des dieux. C'est la mort ou la vie. On dit déjà, combien de fois on peut raconter, on peut donner ta témoignage aux situations quand il y a la mort ou la vie. Il force moi pour changer moi. Parce qu'ils ne m'ont pas les mots. Et moi, mon gros, on est un qui s'en a qu'il y a dans la salle, toute personne n'a pas oublié les mots. Oui, non. Mais c'est pas en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Mais c'est moi, ça processus de sanctification. Hein. Tous les temps, nous devons penser, nous devons prendre conscience de la mort. Ou la vie. Dieu dit, choisis la vie. Dieu dit, choisis la vie. Bénédiction, malédiction, il a. Il dit, choisis la bénédiction. Mais quand nous choisissons la vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est Jésus, c'est la parole. Qu'est dans Jean, chapitre 1, il y a, au début, il y avait la parole, et la parole, vite, chère. Et cette parole, il l'a pour nous, enfants des dieux, il l'a. C'est l'Ancien Testament, nous répétons Ézéchiel encore, qui dit, on rêve, nous rêvons d'abord, quoi, écoute. Ézéchiel 36, 22. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur éternel, c'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. 22, 23, où est 23? Regarde ça. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Que vous avez profané au milieu d'elle. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, Dieu le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Frères et sœurs, nous vivons d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas la justification. Pendant ce temps-là, jusqu'à le passé, jusqu'à maintenant, combien de fois nous vivons faire quelque chose qui n'est pas bien faire dans la vie? Combien de fois nous vivons profane le nom de Dieu dans la vie? Combien de fois la parole de Dieu, il dit à ça, nous faire ça? Nous faire tous les contraires. Bon Dieu dit à ça, nous nous faisons l'œil. Et l'apôtre Paul, il vous explique ça, t'allais bien. Quand il cause la chair et l'esprit. Mais ce matin, est-ce qu'il nous prend conscience? La réalité de la parole de Dieu dans la vie ce matin. Quand nous faisons sanctification. Nous devons gagner la crainte de Dieu. Nous devons avoir la paix de Dieu. Nous connaissons si nous faisons ça. Dieu vous bénit nous. Et nous, bon Dieu, pas content, bénit nous. Oui, il y a un Dieu d'amour. Mais il donne nous le choix. Pareil, quoi, tu donnes le choix à Adam de obéir. Ou bien de désobéir. J'ai donc de toi tout ça, Jordan, mais seul fruit de ne pas manger. Ça frit dans sa pied là. Mais qu'il est arrivé, l'ennemi midi, a montré Ève, sa jolie pomme là.
trop jolie pomme, là, si elle dit. Il y a le manger, après qu'il vous dit, pas moi ça. Femme, on a qui donne moi ça. Le gars, vous dit, pas moi ça, c'est à mon âge, c'est moi ça. Pareil dans la politique, ils ont dit, pas moi ça. Lui, ça n'est pas dans la politique qu'ils devaient dire. Ils ont dit, personne ne parle de prendre responsabilité. Frères et sœurs, ce matin, en tant que chrétiens, nous devons répandre ce matin. Nous devons prendre la responsabilité ce matin qui vraiment nous fait pécher contre Dieu. Nous faisons pécher contre Dieu. Nous pas un chrétien comme Michel. Nous pas un chrétien qui peut vraiment nous engager afin que le royaume des dieux soit grandi. Et ce matin, la parole des dieux, c'est la grâce des dieux est encore là. La grâce des dieux est limitée jusqu'à la venue du Seigneur. Est-ce qu'ils ont connu ça? La grâce des dieux est bien limitée jusqu'à la venue du Seigneur. Après, on va prendre la grâce. Clair ça. Donc ce matin, qu'est-ce que nous réalisons ce matin? Ce matin, nous qu'est-ce que nous réalisons ce matin? Et que nous réveillons dans ça, verset Corinthiens, 2 Corinthiens 7, 1, il dit comme ça, ayons donc ces promesses bien-aimées, il dit, ayons, c'est ma promesse qui nous vient finie, et non. Et à chaque fois, vous trouvez Dieu ou les et nous, nous communier en lui. Nous lire Dieu ou lire dans son amour qui nous cause en lui. Et on peut trouver dans le passé, dans le jardin Éden, Adam et Ève, quand je dis dans le jardin Éden, je dis marche avec bon Dieu. Et il paraît, il passe, il arrête là-bas, on peut trouver dans Genèse chapitre 5, verset 22, et non, lui aussi pareil, il dit marche avec bon Dieu. Et nous vivons 365 ans que ta vie. Et quand on trouve, beaucoup de monde, un des fois, je ne pas connaître combien Adam vient vivre. Adam vient vivre. Et dans le verset Genèse 5, 5, 930 ans. Vient vivre, il mange avec bon Dieu. Je veux dire, avant, il se mange avec bon Dieu. Mais le jour qu'il est fini, chuter. C'est pas le péché qui vient séparer l'homme et Dieu. Et le salaire du péché, c'est l'amour. Et ça, il est encore là. Ça vient, c'est là, il est encore là. Nous peinons à sortir de là. C'est pour ça que, frères et sœurs, ils passent ce qui est dimanche, découvrent l'église. Il faut dire ce processus de sanctification-là. Et dans la vie de tous les jours, qu'ils soient dans la case, qu'ils soient dans le lieu de travail, partout dans la vie, lui disait, continuez à faire ce travail de sainteté. La justification de ce que Dieu fait pour nous, mais la sanctification de ce que Dieu fait en nous, à l'intérieur de nous. Vous voulez que je comprenne ça bien? La justification, c'est ce que Dieu lui fait pour nous. Mais tandis que la sanctification, c'est que Dieu lui fait en nous, à l'intérieur de nous. C'est ça la différence, mes soeurs. Le mot sanctifié veut dire saint. Il vient de la racine du mot grec, qui ça veut dire hagizo, H-A-G-I-Z-O. Et là, prononcé Hagiazo. Dans le Nouveau Testament, ça même mot-là, le mot signifie c'est situé dans une relation avec Dieu répondant à sa sainteté. Donc, dans l'Ancien Testament, le mot racine est Kadash. Kadash, qui signifie couper ou séparer. Dans les deux cas, sanctification lui concerne toujours la séparation. Cette séparation lui met tout à part. La personne qui vient sanctifier, c'est une personne qui vient choisir pour pas bon Dieu. Et quand il vient quand bon Dieu vient choisir, il sépare. Donc c'est ça la réalité. Est-ce qu'il vraiment nous séparer
Dieu débat le monde. Est-ce qu'il nous la vie, nos façons de penser, est-ce qu'il nous pensait les purs? Est-ce qu'il nous l'habillement, dans nos habillements, est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il dans nos paroles, est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il nous qui sommes depuis dans le monde? Nous vivons aujourd'hui pas conformes à ce monde, mais nous séparer de ce monde. Nous tout à fait différents. Le monde, l'ennemi pour servir Benjamin dans le monde, pour faire, pour moquer, pour faire bouffon. Pour dire aux gens, hey, toi, tu n'as pas connu que ça veut dire une cigarette. Toi, tu n'as pas connu qu'il y a un peu de bois. Maintenant, pour moi, pour toi, qui est qualité, tu as des ambitions. Maintenant, pour que tout qui sort, c'est pour ramène-nous là-bas. Mes frères et sœurs, quand l'Esprit bon Dieu est en haut, personne n'est pas capable de contre. Romains 8, 31, c'est Dieu pour moi, personne n'est pas contre. C'est pour cela que vous êtes bien ancré dans la prière. On reste fort dans la prière, on est en communion avec la prière, avec le Seigneur, afin que même ce que vous guettez, ce que vous tendez, n'est pas pour affecter ou l'intérieur. Ce que vous guettez, ce que vous tendez, n'est pas pour infecter ou l'intérieur. Aucun virus de ce monde n'est pas capable d'attaquer, parce qu'il nous tue, il y a une grande bonté grand, il y a une bonté saint, et c'est le même l'Esprit de Dieu qui en nous. Donc frère et soeur, ce matin, quand je vais cause sur la sanctification, quand vous êtes dans la réalité, parce que la sanctification y apporte aussi du fruit, le fruit de la sanctification. La sanctification, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur dans la vie. Mais ce qui passe dans l'intérieur, il y a un fruit à l'extérieur qui dit qu'on n'a pas guidé. Nous guide dans Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Alors, ça c'est la vie de séparation. Hein. Nous, ben anciens, nous connaissons que quand nous t'y étions, quand nous étions, et qui l'onction bon Dieu peut faire, qui l'esprit bon Dieu peut faire dans nous la vie, comment il peut façonner nous vers cette sanctification. Et étape par étape, regarde ce que la Bible dit maintenant dans Galates chapitre 5, verset 19. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah, pas moi qui peux dire cela, c'est la Bible qui peut dire ça. Quand on prend ça vers cela, quitte la réalité dans la vie, quand vous étiez là-dedans. Quelque chose que vous pouvez faire, quelque chose que maintenant, vous pouvez dire que vous partiez coller avant. Maintenant, vous pouvez causer, vous pouvez tendre. Plus on peut montrer où la parole, la quantité, ou pas capable de dire Seigneur, mon pardonnez. Parce que le dernier jour, le Seigneur vous rappelle ça. Quelque chose que vous pouvez encore faire, dire Seigneur, aide-moi à sortir de là. Dans sa grâce, dans son amour, le Seigneur vous tire où? Depuis, dans sa bande. Dans tout ce qui est dans sa, le fruit de la chair, là, il vous tient dedans. Il vous ramène. Toujours vous réveillez quand le pasteur allait dire, quand il va dans les courses, tentation finie, tout finit. Mais qui les tient? La parole, une parole qui a dit. Le Seigneur tient lui. Depuis dans les courses, rendez-les.
Frères et sœurs, l'amour de Jésus-Christ sur la croix, l'amour de Jésus-Christ sur la croix, c'est rendre-nous libres, nous n'est plus esclaves pour personne. Et mon capitaine, la main là, nous pouvons bien la main là. Amen. Le trou, c'est qui ça, tout le temps? Vous connaissez le cause de Liverpool, le compost Liverpool, Manchester, vous venez là-bas, Liverpool, Manchester, là. Qui t'arrive, moi, là, vous venez écouter là. Frères et sœurs, donc, quand je pique ça verset dans Galates chapitre 5, verset 19, 20-21, je peux trouver ça. Je peux trouver qui guide votre réalité, guide la parole de Dieu qui peut dire et examine nous-mêmes aux situations. Quand est-ce que le Saint-Esprit, Seigneur, de parole peut dire ça, mon pape est capable. On a une mauvaise habitude. Confesse, tu ne peux pas me confesser comme pas mon père, mon confesse en moi. Mais si vous voulez, vous êtes capable de venir, nous sommes capables de causer, nous sommes capables d'aider, nous sommes capables de prier pour vous. Mais, et ma haine, vous voulez faire comprendre ce matin que Dieu n'est pas fini, qu'il nous offre là, puis nous donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il connaît nous les cœurs, il connaît nous penser, il est pour guider, il est pour diriger. Il est pour dire de ça, de ça, il est pour délivrer. Et l'autre chose, moi, dans mon avis, tu peux fatiguer quoi? Football. Quand on joue au football, dans mon chaîne, je suis bien joué au football, je suis sélecté pour régional, je suis bien content de jouer au football. Quand il finit, quand on gagne un problème, il finit, gagne un problème, tout ça là. Moi, je suis content pour l'équipe. Mon équipe de Manchester, mon père connaît ça. Ça, il faut classer mon père, mon père est devenu, non, il y a là, il y a un résultat. On ne peut pas le bouger, on va dire non, 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 oui, non, oui. Hein? Mais frères et sœurs, avant football, football là, quand on joue là, le coach football, il te connaît tel ça, tel joueur pour venir, tel joueur là, c'était causé là. Ça veut dire, là, quand matin, il est en tant que coach football, football, match là, jouer tout là, right? Fini, et laisse ça pour gagner tout là. Pour mettre ça combien, ok, correct. Et dans le football fini, nous pouvons tout gagner, causer le football là, oui non, hé frère, sœur, hé frère, sœur, causer. Une réalité, pas une réalité ça. Une réalité. Mais finalement, Dieu a révélé moi une petite chose. Qui Manchester de Bondé? Liverpool de Bondé? Qui gardait? Coute mon étang, mon énergie, coute mon focus, le Jésus-Christ ou bien non? Football. Ce jour-là, au cancer de l'esprit de l'idolâtrie. Vous voyez, il y a des fois, sans qu'il nous connaît, il rentre dans la table. C'est encore de vous dire au pasteur, hé, moi, je disais, laisse-moi vous aussi, vous disais, vous comprenez. Vous pouvez dire, frère et soeur, vous pouvez donner l'expérience à l'idolâtrie, la quotidienne de l'idolâtrie. Parce que vous savez, mais qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est chrétien, qu'est-ce qu'il est, vous voyez, quel football, pasteur, ça au choix. Seulement, vous finissez à où? À quoi qu'il y ait. Priez mon Dieu, non là, par l'esprit prend où les dents, puis donne les dents au Seigneur. Priez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, puis avec moi, le Saint-Esprit tient un délivrement de l'idolâtrie du football, il faut faire ça aussi pour vous dans la vie. Amen. Nous revenons de sanctification. Quand nous revenons de sanctification, toujours nous cause la sainteté. La sainteté. Dans Luc chapitre 2, verset 52, tout ce qui m'a fait m'expliquer, vous prenez depuis au début jusqu'à là, regarde dans l'évangile de Luc chapitre 2, verset 52, qui dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous sommes pareils, depuis que le jour nous connaissons le Seigneur, mais la manière qui semble nous développer, croise, veut dire nous développer en sagesse, dans la stature et en grâce devant bon Dieu et devant les hommes. L'homme connaît sa semble, pas sa semble ancien là, ça un nouveau semble. L'homme vous dire, sa maman là, ça m'a connu. Non, 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 pas dit ça. Ça, une autre maman, ça, une nouvelle maman, ça. Voilà, vous dites, pasteur, non, 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 pas dit ça. Effectivement, Dieu, quand Dieu dit, Dieu le connaît, Dieu vous dit,
Alain Pasteur, vous faites comme ça, Alain Solis, ce gros comme ça. Alain Pasteur, il va quoi? Qui fait? Alain Chosé. Veut dire, tout se passe sanctification, le processus de sanctification se passe à l'intérieur. Justification, ou confesse-ni devant l'homme, ou accepte-ni, tout se passe par la grâce. Pareil, comment Dieu vit de nous la grâce pour capable pardonner, Dieu vit de nous la grâce aussi pour la marche, afin que ce processus de sanctification se fait dans la vie. Amen. Frères et sœurs, Pierre aussi dit, Pierre nous dit dans chapitre 3, verset 18, il dit à mes enfants, il y a quoi s'est développé dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 18. Amen. Un verset dans la Bible encore qui encourage nous tous en tant qu'un croyant. Dans Romains chapitre 6, verset 22, il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave des dieux, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit des dieux, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On va trouver plus bon verset que ça pour capable conclure. Il dit aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24, il dit à le peuple de Dieu ce matin, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre tête, que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce matin, oublions la prière pour nous tous ce matin, qui nous examine, nous, ce que la parole veut dire à cause de la réalité de nos outils. Et nous prier pour nous, personnellement, chaque membre de l'Église qui sont là ce matin, nous prier Dieu afin qu'il y donne ce, qu'il permette d'y donner la grâce, suffisamment la grâce, afin qu'ils soient capables de repentir, demander le pardon, vivre en alignement avec la volonté de Dieu. Qui m'ont prié ce matin, que chaque personne qui va écoute la parole, se connaît que ça veut dire la justification, c'est le point de départ. Mais la sanctification, c'est un processus de tout le long de la vie jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ou l'Église, nous pur en pensée, nous pur dans le comportement, dans l'attitude, dans la vie, nous pur de ça. Mais est-ce qu'il y a dans la réalité du coup ça ce matin? Chacun de nous, on n'est pas là pour juste personne, on n'est pas là pour juste personne, mais juste nous-mêmes, en tant que frères et sœurs, juste nous-mêmes, la parole vient nous pas pour être juste. Frères et sœurs, ce matin, si vous êtes en prière ce matin, si vous trouvez où la vie pas correcte, si vous les mettez le monde dans la vie ce matin, nous avons plusieurs pasteurs là ce matin, nous avons besoin de prier pour vous. Vous avez besoin de nous après, nous pour prier pour vous individuellement. Mais moi, capable de dire vous, le plus grand des choses qui vous est là, comme on vient de dire, et Dieu va faire quitter nous, au fait la vie de nous, le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ dit dans Jean 4, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Le besoin Jésus-Christ, sans Jésus-Christ, nous ne sommes pas capables de faire rien. Le besoin la grâce des dieux. Sans la grâce des dieux, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et la grâce, elle est là pour nous tous. Mais elle est bien limitée. Frères et sœurs, pour prier pour vous ce matin. Papa, dans le nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour tes paroles. Merci pour ta grâce Seigneur ce matin. Merci Seigneur pour ce processus de sanctification Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, pour tout, pour tous tes bons enfants Seigneur.
Oui, Seigneur. Nous connais qui te compte en nous, Seigneur. Nous connais ton lait qui nous prospérait, Seigneur. Te connais, Seigneur, qui te plante, Seigneur, qui vient être développé dans la vie, Seigneur. On prie ton Père dans le nom de Jésus pour chaque frère et soeur qui sont là ce matin. De cette situation, Seigneur. De cette légère, de cette pensée, Seigneur. On demande ton Père dans le nom de Jésus pour ce matin, pour prendre l'autorité, pour cancel tout le plan de l'ennemi dans chacun de la vie ce matin. Je te déverse de la paix dans toute la vie, Seigneur. On prie, Père, que ton Saint-Esprit, on place chaque personne entre tes mains. Qui te vous dirige en pensée, en action, te vous guide, ce, te vous délivre dans ce processus de sanctification. Papa, dans le nom de Jésus, je t'en remercie, Seigneur. Amen.